Eh bien, salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir un pass Atlas. Ah là là là, parce que ça c'est dur, hein. C'est dur à avoir, enfin c'est dur. Faut savoir quoi, faut le savoir. Voilà. Là maintenant vous allez savoir comment il faut faire. Vous verrez, c'est super simple en fin de compte. Et c'est grâce à un copain que j'ai rencontré sur No Man's Sky. Je sais plus son nom, c'est Gollum. Gollumator. Alors je vais vous montrer, c'est simple hein, en fin de compte. Donc ce qu'il faut, c'est trouver un bâtiment inconnu avec une porte blindée. On tire dans la porte blindée, bon pour bien faire, ce que vous faites, c'est vous cherchez. Bon, moi j'ai eu de la chance, j'ai trouvé une montagne juste en face. Ce que j'ai fait, j'ai creusé un trou ici là, je me suis mis dans le trou et j'ai utilisé le dard ardent. Ça charge un dard. Et vous le tirez comme ça, vous tirez 3 ou 4 fois et c'est bon. Et les robots, ils s'en rendent même pas compte. Vous rentrez là-dedans. Ok, bon, les nanites ici, je les ai pris. Donc vous allez sur l'ordinateur. Bon, bien sûr, faire une sauvegarde juste avant. Voilà, moi j'ai fait détruire les caméras, mais c'était pas ça. En fin de compte, c'est ça. Appliquer un microprocesseur. Voilà, c'est bon. Je connecte. Voilà. Ok. Et voilà. Et là, vous faites pas extraire des nanites, ni celui-là, vous faites apprendre une recette. Voilà. Et c'est bon. Et le pass, il est là. Voilà. Pass Atlas. Sélectionné. Et voilà, c'est bon. J'ai mon premier pass Atlas. La recette. Je pourrais en fabriquer autant que je veux maintenant. Tranquillement. Et voilà. Impeccable. C'est super. Et voilà, super super. Bon, maintenant il me faut du cuivre. Voilà, je vais regarder peut-être qu'il y a déjà du cuivre sur cette planète. Dépôt d'ammoniac. Ah tiens, il y a un bâtiment là-bas aussi. Ah, comptoir commercial, ok. Tiens, bah dépôt de cuivre. Ok, on y va.
1. Là, je règle la dimension en appuyant sur L1. Je mets au plus petit pour en extraire le plus possible. Vous faites ça, ou sinon vous allez dans un comptoir commercial, puis vous achetez du cuivre directement. Mais bon, c'est gratuit. Ok, devrait avoir assez. Donc fabriquer un passe. Et voilà, passe Atlas. Ah, super. Ah, je peux pas en fabriquer plus, par contre. Il faut encore. Faut 200. Ah ouais, ok. Et un microprocesseur. Attends. On va fabriquer deux. Ah, génial. Super, ça faisait longtemps que je voulais des passes Atlas. Moi, je devrais avoir assez là maintenant. Et voilà. Ok. On va essayer d'appeler le vaisseau. Ça va pas être facile de le poser quelque part, hein. Ah, c'est bon. Super. Bah voilà les amis. Vous avez vu, c'est simple en fin de compte, hein. Pour avoir un pass Atlas. Voilà. Alors j'imagine qu'il faut juste retrouver encore une maison comme ça, et puis refaire une sauvegarde, et puis pour avoir le pass Atlas 2, et puis après le pass Atlas 3.
pense qu'il a, il bug là. Je peux pas atterrir. Il veut pas atterrir. Ah, ça y est. Ok. Donc là, je vais vider un petit peu le stock là. Moi, je peux faire direct comme ça. Ok. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Il passe à place. Ouais. Quoi, c'est tout? Tu te fous pas de ma gueule un petit peu là? Putain, c'est nul! Non. Ça tombe pas sur la place de mes deux. Ça donne rien. Putain, dans la version next, non, ouais, next, ça donnait des trucs super. Et là, ça donne de la merde. Merci la version Beyond. Super. Pourri. Enfin, voilà. Salut tout le monde. À bientôt.